Celui-ci est de 9000 bovis. Donc, c'est un bon mégalithe. Il n'est pas nocif du tout. Alors, la propriété de ce monument. Eh bien, c'est parfait, c'est bien ce que je pensais. Il est cosmotellurique. Donc, il a les deux, aussi bien la Terre que le dessus. Mais c'est très bien. Maintenant, on va pratiquer un autre domaine. On va essayer maintenant de voir un petit peu autour de lui. Et hop, voilà, je reviens en arrière et on bouge de nouveau. Donc ici, au milieu où il manque la pierre, ben, il doit avoir un courant de passage. Bon, on est reparti vers l'avant. Il nous guide tout seul comme un grand, c'est bien. Bien à plat, tu te poses bien, tu t'alourdis. Et sur tout le temps que tu t'alourdis, de temps en temps, tu frottes un petit peu tes chakras du front, de la poitrine et du ventre. Voilà. Et tu reposes les mains après, de façon à bien alimenter tout ça. Voilà. Et là, tu poses bien. Et maintenant, tu es parti. Tu pompes, tu pompes, tu pompes. Voilà, maintenant, nous allons visiter le site de Ker Zéro, un site mégalithique quand même assez important et exceptionnel par ses qualités de menhir. Et nous allons, je vous y invite, à faire la promenade. Et voilà, ça retourne dans l'autre sens. Ça m'indique la direction d'ailleurs, l'allée centrale très probablement. Voilà, tout doucement, je suis. Plus j'avance en reculant un petit peu sur le côté. Ah, ça se calme ici. Ça revient. Donc on va reprendre pour voir si on est bien dedans. Hop, c'est presque parti. Ouais, c'est parti. Voilà. Ok. C'est calme. Et voilà, une splendide tête de loup. Emblème druidique par excellence. Splendide forme. Et Karnak vibre aussi très fort. Peut-être qu'un jour,